Bonjour, ici Éric Laliberté et Brigitte Arouni de Botte et Vélo. On est à notre premier jour de ce pèlerinage de la Voie du Saint-Laurent, le chemin qui marche, et on est devant les chutes du Niagara. Nos vélos sont prêts, on a tout monté, il est 7 heures le matin. On s'apprête à descendre la route qui longe la rivière Niagara.
ici Éric Laliberté et Brigitte Arouni de Botte et Vélo. Alors, après 40 jours, on est enfin arrivé au bout de ce pèlerinage-là. Vous le voyez, on est au Rocher Percé. On a franchi les 2000 km qui nous séparaient des chutes Niagara au Rocher Percé. Alors, La partie ontarienne, on l'a dit, c'était vélo, mais la partie gaspésienne, c'est vraiment botte. Ah oui. C'est certain que c'est encore un peu à défricher. Le pèlerinage n'est pas du tout une pratique en Gaspésie. Non, on est les seuls qui marchaient. On a croisé Il y a beaucoup de cyclistes, pèlerin. Par contre, beaucoup mais d'autostoppeurs. À pied, très peu de personnes. Oui. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Si on commence par les inconvénients, c'est de dire que l'hébergement, il n'y a pas un extrême choix d'hébergement. Et il y en a par contre à espace régulier, mais quand on en voit un et qu'on est fatigué, on est peut-être mieux d'en profiter. Même chose pour les épiceries. Il n'y aura pas de quoi se nourrir dans chacun des villages. Au début, oui, mais les derniers milles, je dirais qu'on est peut-être mieux de traîner avec soi au moins la quantité d'un repas pour se donner une chance de se rendre à la prochaine épicerie. Le côté positif que ça a, c'est que ça a encore un côté très champêtre, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on fait un pèlerinage. Les gens sont très supportants, encourageants, je dirais même accueillant, en admiration, oui. Accueillants, généreux. Oui. Pour ce qui est de tous les services, toutes les commodités, on n'a pas à s'inquiéter. Les gens sont Et tout le monde accueille l'idée du pèlerinage énormément. Avec beaucoup de ferveur. Oui, c'est vraiment un projet qui intéresse. Encore ce matin, on déjeunait, puis un couple de matanes était là, puis ils trouvaient l'idée géniale. Alors, les gens sont vraiment intéressés. Vous avez été plusieurs à nous suivre sur Internet, sur le blog, sur le site. Vous étiez présent, donc on comprend qu'il y a un intérêt pour le pèlerinage au Québec. Alors, on vous le dit, la voie du Saint-Laurent est vraiment un pèlerinage à faire. C'est un voyage fabuleux. Un beau voyage à faire et ça permet de longer le fleuve tout le long. C'est énormément ressourçant, relaxant, plaisant. Moi, mon coup de cœur, c'est sûr, ça va de Québec jusqu'à Mont-Louis. Après ça, on fait des coins plus boisés qui sont jolis. Mon coup de cœur est quand même pour le fleuve. Quand on revient dans la péninsule de Gaspé et qu'on se rend jusqu'à Percé, c'est savoureux. Les bandes de sable, les plages qu'on traverse que je connaissais pas. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire aussi tout le long, c'est que faire le voyage de cette façon-là, nous, on l'avait déjà fait, le tour de la Gaspésie, et on a eu l'impression qu'on ne connaissait pas la Gaspésie, qu'on n'avait pas vu une grande partie de tout ce qu'il y a à voir en Gaspésie, parce qu'on ne s'arrête pas dans tous ces petits coins-là qui ont quelque chose de beau, d'intéressant à apporter et qui sont accueillants aussi. Des gens qui sont tellement ouverts et qui ont le goût de ces rencontres, qui s'intéressent à tous ces projets-là. Alors, vraiment un beau voyage à effectuer si vous avez le goût. N'hésitez pas. Nous, on va poursuivre, on va vous tenir encore informés, on va développer d'autres choses autour de ce pèlerinage-là. C'est sûr que... Il va y avoir un document écrit avec des photos, des cartes et de l'information plus précise. Si vous souhaitez l'entreprendre, vous n'êtes pas obligé de faire 40 jours, vous n'êtes pas obligé de faire 2000 km. Prendre un petit tronçon à la fois, c'est vraiment... recommandé. Oui, ça serait quelque chose à faire. Puis je dirais que pour tous ceux qui ne nous ont pas encore encouragés au niveau de la Fondation et qui attendaient le dernier moment pour dire « OK, ils l'ont fait, je vais encourager, je vais faire un don », eh bien, c'est le temps. Oui, fondationelan.com. Fondationelan.com. On est rendu. Voilà. On l'a fait. Alors, c'est sûr qu'on se dit à l'an prochain. Oui. Au revoir. J'avais un char, ça changera ma vie. J'irai me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changera ma vie. Là, ça changerait quelque chose de rare parce qu'elle était côte pas à peu près celle-là. Bon, on est rendu en haut.
On l'a fait.